Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, pour plus d'explications sur ce sujet, qu'est la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères égyptiens et tunisiens en marge du sommet de l'Union africaine. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi, qui est députée au Parlement et journaliste. Bonjour, Madame Farida. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de NetV. Merci à vous. Alors, premièrement, si on parle des relations entre l'Égypte et la Tunisie, certainement la Tunisie est un pays frère et les relations s'étendent pour des décennies et des centaines d'années même. Comment voyez-vous l'intérêt des deux pays l'un à l'autre et également la coopération entre l'Égypte et la Tunisie? Moi, je vois que la prise de conscience de l'importance de la coopération est très importante. C'est très important dans l'état actuel de l'état du monde entier, où il n'y a rien qui peut remplacer la coopération pour comment dire, attendez, Oui, avec les qui crises va être, actuelles. comme, avec la crise actuelle, la coopération, c'est la meilleure solution. Certes. Parce que Certes. ça renforce les deux, tout ce qui coopère. Certes. Ça, c'est notre président, pour lui, c'est un thème sacré. Oui. Il faut coopérer. Il faut pas, nous voyons maintenant qu'on ne peut pas faire une solution avec une guerre ou une agression, pas du Oui. tout. Ce qu'il Oui. faut faire, c'est coopérer et essayer ce qui manque chez un pays que d'autres, le pays qui en a un plus dans ce domaine, qu'il lui donne et vice-versa. C'est-à-dire Certainement. la coopération et la complémentarité entre les pays, ça c'est une solution humaine et politique très intelligente. Et j'espère que la reprise des relations de l'Égypte avec tout le monde, chacun des pays frères et des pays amis et des pays du Du même même continent. continent, comme le continent africain justement, ça c'est très important. Et moi je crois que c'est presque, il y a une unanimité dans c'est-à-dire la reconnaissance de l'importance de cette voie-là, Certes, de certes. la coopération. Parfait. Et la coopération avec, par exemple, le continent africain. Certainement, j'allais vous demander cela parce que le thème principal de ce sommet de l'Union africaine, c'est la promotion et la mise en œuvre du traité de libre-échange entre les pays africains et de promouvoir le commerce interafricain et certainement l'avoir sans douane libre-échange. Alors, comment voyez-vous cela? Moi aussi, je vois que ça va beaucoup bénéficier au continent africain, parce que le continent africain, par exemple, il y a beaucoup de côtés, et moi je cite un seul, par exemple, maintenant, mais très important, il y a une énorme superficie de terrain cultivable Oui. et de terrain où on peut, comment dire, c'est-à-dire on peut éloigner le fantôme de la faim. Oui, certainement. Ah, oui. Parce Certainement. que plus, par exemple, un pays qui n'a pas assez de terres Agricole. cultivables, agricoles, ou oui, agricoles surtout. Alors là, quand on fait une concertation entre les pays africains pour que chaque pays qui a une grande superficie de terrain cultivable donne aux autres en contrepartie, elle prend par exemple, il prend ce pays-là, prend des autres pays, ou bien l'artisanat, l'industrie perfectionnée, tout ça, l'entraide, c'est la meilleure solution humaine pour tous les pays africains surtout. Certainement, certainement. Donc, Madame Farida Choubachi, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes députée au Parlement égyptien et également journaliste. Merci à vous.
Nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information également. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Égypte, qui a accueilli la COP27 au nom du continent africain, tenait à placer les priorités climatiques de l'Afrique au cœur de l'action climatique internationale. Monsieur Shoukry, président de la COP27, a participé au nom du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains.